Être fille d'artiste en cette période post-crise, pas facile. Surtout que l'art nourrit très peu ces temps-ci. L'ONG Académie Zoukou d'Afrique en a conscience. Le projet Bonjour mon école voit donc le jour. Et Marie-France, enfant d'artiste, est l'une des bénéficiaires. Elle aura un soutien financier pour aller à l'école. Une joie pour les parents qui y voient, au-delà de l'aspect financier, un soutien moral. C'est un institut qui est vraiment bien organisé. Parce que ce qu'ils ont fait pour ma fille, ils m'ont aidé d'abord à la mettre à l'école. Et puis bon, ils suivent beaucoup ses notes à l'école. Ma fille va à l'école dans une école privée. J'avais des problèmes pour payer sa scolarité. Ils m'ont donné 30 000 francs. Nous les artistes, quand tu arrives dans un autre pays, les artistes sont bien traités. Et chez nous en Côte d'Ivoire, je vois que l'art ne nourrit pas son homme. Mais grâce à l'ONG AZA aujourd'hui, on arrive à se dire que nous sommes des artistes. L'Académie AZA entend faire davantage avec plus de moyens. Bonjour l'école, c'est un événement assez exceptionnel pour les artistes en début d'année scolaire. Il est difficile. Nous savons que toutes les corporations ont des prêts en quelques organisations pour mettre leurs enfants à l'école. Or, nous, au niveau des artistes, c'est difficile. Et donc, l'ONG AZA, depuis 2010, s'est assigné le devoir de batailler pour que demain, l'artiste vive de son art. Faire de l'artiste comme un bon fonctionnaire, comme tous ceux qui vivent de leur métier. L'Académie Zoukou d'Afrique existe depuis 2010.